Les travaux du forum Forbes Africa 2014 se sont ouverts hier à Brazzaville, au Congo. Le thème retenu cette année est les défis de la bancarisation, construire le modèle africain. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, qui a représenté le président de la République, Ali Bongo Ondimba. À l'aéroport Mayamaya de Brazzaville, Désiré Singatadi et Olivier Antonio de la presse de la Primature. Brazzaville, République du Congo, aéroport de Mayamaya. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est accueilli par le ministre d'État, ministre des Transports congolais, Rodolphe Adada. Dans ce pays ami, Daniel Onaondo est allé représenter le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au Forbes Forum, édition 2014. Le ministre des PME-PMI, Gabriel Tiongo, était du déplacement. Le troisième du genre, le Forum Forbes, est un rendez-vous de décideurs africains et d'experts qui ont pour ambition de mettre sur pied une autre Afrique. Une Afrique loin de la famine, des guerres, mais surtout de la pauvreté. Des assises qui auront vu la participation au plus haut niveau du président de la République du Niger, de la République de Guinée et de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Le thème, les défis de la bancarisation, construire le modèle africain, débattu plusieurs heures durant, n'a pas manqué d'interpeller les gouvernants et les banquiers d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, invités ou pour parler. Aujourd'hui en Afrique, seule une personne sur 10 est bancarisée. Une situation qui met un frein à la volonté de notre continent de sortir du sous-développement, a rappelé le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en ouvrant les travaux. Une situation qui pose problème dans la mesure où elle constitue un processus clé dans le développement économique et social de nos États.